Bonjour Johnny. Comment tu vas Ça va pas mal, mais monsieur à... Manœuvre. Monsieur Hallyday, c'est à vous, là, c'est à toi qu'il faut dire bravo quand même. 70 ans, dont 59 passés sur scène quand même. J'ai toujours 20 ans. <laughs> non mais ça se fête quoi. Là on sort un programme de folie avec des copains, des amis, trois soirs à Bercy. C'est un grand anniversaire. Bah écoute. Au moins, comme ça, je suis sûr d'avoir des amis qui viennent me voir mon anniversaire. <laughs> euh, Est-ce que c'est Elvis qui t'a refilé le, le qui t'a donné l'envie de faire du rock n roll En tout cas, oui. Oui, mais, les premiers disques de Elvis que j'ai entendus, j'étais tout môme, C'était la famille de Lee Hallyday qui était dans l'Oklahoma, qui m'avait envoyé les premiers disques d'Elvis, de, parce que j'avais jamais entendu de rock n roll avant. Et d'ailleurs, comme je le dis sur scène, c'était du rockabilly à l'époque. Ouais. Il y avait That's All right, Mama. Et à l'époque, il y avait les maracas, euh, contrebasse, guitare et, et batterie au ballet. Et c'est vrai que ça, euh, ça m'avait marqué, moi, à l'époque, ça. Mais en fait, le déclic, c'est au cinéma que tu l'as eu en allant voir Elvis. Euh... Oui, euh, alors dans. Euh... Amour frénétique. Voilà, Loving You. Loving you ils, avaient, ils avaient traduit ça par Amour frénétique, ce qui n'avait rien du tout à voir avec Loving You. Mais euh, moi, j'avais été, c'était dans un cinéma de quartier, j'avais été pour voir, j'avais vu des photos à l'extérieur du cinéma. Je vois, je vois des habillés cow en cow-boys. Bon, on se dit, je vais aller voir un western. Et puis après, je me suis planté. Je me dis, je me suis planté. Je vois, je, je vois une comédie musicale, quoi, finalement. Et puis quand même je vois Elvis quand même, et puis sa façon de bouger, etc. Et puis c'était une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et puis j'avais... Il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit, tiens, et ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque, je jouais de la guitare classique. Alors, euh, donc, bon, après, j'ai troqué ma guitare classique, où je me suis fait engueuler d'ailleurs par, par Lee et, et Destin. Et puis, je suis devenu un fan de Elvis. Mais entre-temps, j'avais écouté beaucoup de, 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 de chanteurs anglais. Et moi, j'ai une version que j'essaye de retrouver, mais que je n'arrive pas à, à retrouver, de Lonnie Donegan au Palladium, qui chantait Frankie and Johnny. Ça au au moins 20 minutes, c'est à tomber par terre. Donc tu étais là, tu étais ce jeune qui avait envie de faire du rock dans un pays qui est pas Oui, du parce qu'en plus, on était proche des, des Anglais. Alors il y avait Tommy Steele, euh, il y avait euh, les Billy Shadows, il y avait, euh, il y avait Marty Wilde, il y avait tous ces chanteurs de l'époque. Et, et c'est vrai que les Anglais, ils déménageaient bien aussi. Hein. C'est vrai. Et Mais en France, c'était pas le pays du rock'n'roll du tout. tout de suite, non, on bah, ce qu'il y avait de plus rock'n'roll, c'était Sachet Distel, à l'époque, avec scooby Doo Doo. <laughs> Et, euh, et puis c'est vrai que quand bon, j'ai commencé, j'étais très controversé. Euh, euh, les parterres des salles, c'était des gens euh, qui étaient plus, plus bourgeois, des gens plus. Euh, ils ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Par contre, j'avais les balcons euh, où c'était les baumes qui eux, euh, qui, eux, me soutenaient à mort. Et, euh, et puis voilà, je crois que j'étais euh, le premier à, à, faire ce, à, faire en, à faire ça en France, en tout cas. Et alors il fallait adapter. À l'époque, on voulait adapter le rock. On ne pouvait pas chanter Bimopoloula. Il fallait que quelqu'un euh, explique, fasse le texte français. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas chanté des choses très géniales en tant que parole euh, quand j'ai commencé. Mais on ne pouvait pas chanter Bimopoloula, c'est pas un baby en français, quoi. Ou Blue Suede Shoes ne marche pas sur mes chaussures en teint bleu. Euh, <laughs> ça, ça, ça... Donc c'était pas facile. Et puis la langue française n'était pas la même qu'en euh, qu anglais. Euh, dans, le sens de, dans le sens des pieds. La métrique, quoi. Euh, Les mots en français sont plus longs qu'en anglais. Donc il fallait adapter aussi des paroles qui puissent aller sur la, sur la mélodie, parce que le rock and roll c'est quand même une musique qui est, où il y a besoin d'un certain nombre de pieds, euh, qui a besoin de. Pour, pour, pour le tempo, en tout cas. Pour sort... le phrasé surtout. Tu as sorti des, des 45 tours tout de suite en 60-61, et le premier n'a pas tellement marché, t'aimais follement, mais le deuxième, Souvenir, Souvenir, c'était de la folie, c'était le raz-de-marée, c'était l'explosion. Oh, souvenir, Souvenir est une chanson qui m'a qui fait, qui, ouais, qui fait démarrer. Mais le, la, le, premier, le premier disque, qui avait surtout les sliffies, qui avait, euh, qui, avait euh, qui, a, qui avait marché, mais uniquement par rapport aux gens de ma génération. Et d'ailleurs, à l'époque, j'écrivais toutes mes musiques parce que je n'arrivais pas vraiment à trouver des. 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 des, des Français n'écrivaient pas ce, ce style de musique. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as eu du. tu douté euh, à un moment Est-ce que tu as eu des moments de doute dans une carrière de 50 années de carrière comme ça Il y a eu des moments de doute ou... bon, On doute toujours quand on fait ce métier. Mais tu sais, moi, au départ, euh, moi, je pensais chanter peut-être un été ou deux étés. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Moi, je me. Je, je pensais surtout à être acteur à l'époque. Donc, si tu veux, je, je faisais ça par, euh, par passion, le rock and roll. C'était plutôt une passion. Mais je ne pensais pas en faire mon métier à l'époque. Et il y a eu des, des, des phénomènes incroyables autour de toi. Souviens-toi, quand il y a eu la fête de la nation, le général de Gaulle n'était pas content. Il y avait un million de gamins qui étaient venus voir les. Toi en particulier, sur la place de la nation, c'était en 1963 autour de la fête de Salut les copains. Et le général de Gaulle avait dit euh, Ça ne va pas du tout, euh, s'ils n'ont rien à faire, qu'ils aillent construire des routes. Tu avais été touché d'énerver on... le vieux comme ça Qu'est-ce que tu avais ressenti On a quand même aidé à ce que les routes se construisent. Hein ah oui, parce qu'on circulait <laughs> beaucoup <rire> pour mais, aller d'une euh... ville à l'autre. <laughs> oui, mais euh, non, bah, c'était une époque. Hein. Tu sais, là, tu sais là, Elvis, euh, Elvis, quand il a commencé, euh, <coughs> à l'époque, dans le sud des États-Unis, les gens étaient très racistes. <coughs> Et quand il est passé aux radio, il y a, il y a un Jockey qui a cassé en direct son disque en disant Vous n'entendrez plus jamais cette, euh, ce chanteur euh, avec sa musique de nègre mm. sans, à l'antenne. Mm. Et c'était assez dur, quand même, c'était assez violent comme, comme, comme réaction. Et, et ben moi, j'ai eu la même chose avec. Euh, avec. Lucia Morris Lucia qui a cassé mon disque à l'antenne. Mais on est deux. Mais je lui en veux pas parce qu'on on est devenus très amis par la suite. Et il défendait Dalida. Bon, il s'était le compagnon de Dalida à l'époque. Ça peut excuser des choses. Mais je me souviens, quand tu es parti au service militaire, tout le monde disait, Johnny Hallyday, prof, vous avez bien profité, les gamins, il ne reviendra pas. <laughs> les les, les croulants étaient très contents de ce ouais. départ. Bah, D'abord, bon, service militaire, je l'ai fait comme tous les Français, comme tous les jeunes de, de mon âge. Euh, et c'est vrai que quand je suis revenu du service militaire, j'ai eu un peu de mal. Euh, parce qu'il y avait d'autres gens qui sont arrivés entre-temps et que... Et quand j'ai repris mes concerts en sortant de, de, de l'armée, c'est vrai que je me rappelle, il y avait des demi-salles, hein, ce n'était pas complet à l'époque. J'ai changé un peu, j'ai travaillé sur, sur, le, sur le style musical que je faisais, et puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec Mick Jones voilà. et Tommy Brown. Et on a commencé à faire des jolies sarades et des choses comme ça. Et, et puis, tu as trouvé un certain Jimi Hendrix qui faisait ta première partie. Et puis, il y, y, y a eu Jimmy qui, a, qui est parti en tournée avec moi. Ça, c'était gonflé parce que personne en Angleterre ne voulait. Tout le monde disait, attention, s'il arrive, il fait votre première partie. Plus personne passe derrière. Donc, les Who avaient la trouille. Les Stones n'en voulaient pas. Et toi, Johnny Hallyday, tu dis, bon, moi, je vais le prendre, mon gars. Mais oui, parce que je trouvais... D'abord, je trouvais ça formidable, ce qu'il faisait. Euh, J'avais jamais entendu un guitariste comme ça. Moi, j'ai toujours été un, un grand fan de Guitar Hero. De... Bon, pour moi, il, il en faisait partie. Et en plus, on était devenus très potes, euh, Jimmy et moi. Et quand on est parti, euh, il devait partir avec moi 15 jours. On est, est resté 6 mois en tournée ensemble. Et vraisemblablement, s'il euh, n'était pas parti en tournée avec moi, j'aurais vraisemblablement jamais enregistré A. Joe. Qui a été la clé d'un nouveau public aussi. Ouais. Euh, C'était à chaque 45 tours, on décrochait des, des nouvelles, des nouveaux ouais. fans. Ouais. Il y a eu des, des, des 45 tours un peu scandaleux. Est-ce que tu pourrais rechanter Jésus-Christ est un hippie ouais, avec le temps? Oui, bien sûr. Oui. parce qu'à euh... l'époque, ça avait pas, <laughs> ça avait des bah, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'était les gens étaient beaucoup moins ouverts qu'aujourd'hui. Hein. Tu parlais, on parlait de Hendrix. Euh, voilà, quand on parle comme ça, je pense à tous les guitaristes qui ont accompagné Johnny Hallyday. Il y a quand même une, une bande de pointure absolument incroyable. J'ai toujours aimé les guitaristes. Euh, puis j'ai eu la chance aussi d'enregistrer énormément à Londres, d'être reconnu par euh, énormément de musiciens en, en Angleterre. Et donc d'avoir eu beaucoup de, 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 de ces guitaristes qui sont venus jouer dans mes séances. Jimmy Page. Donc, Jimmy Page. Euh... Big Jim Sullivan. Oui, et puis il y avait aussi euh... Clapton. Et sur scène, tu, tu tournais. Donc y il avait, y avait Mickey Jones qui a été faire Foreigner après. Après il y a eu Rolling, après il y a eu Nono. Enfin, y... Et aujourd'hui, il y a Yarol Poupeau. Aujourd'hui, Yarol Poupeau et puis Robin le Mesurier. Et Robin le Mesurier. Qu que j'ai connu d'ailleurs à l'époque quand il jouait avec Rod Stewart. Oh. Comment tu as rencontré Yarol euh... Alors, Yarol, je l'ai rencontré de... quand j'ai tourné Jean-Philippe, le film. D'accord. Euh, je... Le film euh, qui... qui parle de Si Johnny Hallyday n'existait pas. Ce monde où Johnny n'existerait euh... pas. Et donc, le concert du Stade de France à la fin, où je dois aller sur scène, euh, où je redeviens euh, Johnny Hallyday, ils avaient, à... ils avaient demandé à de la figuration, à des gens de venir, et puis ils avaient demandé à Yarol de faire le guitariste. Et Yarol, sur, euh, sur scène pour le film, a joué le, le guitariste. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et tu t'es dit. Ah, parce qu'on attendait beaucoup. Au cinéma, on attend beaucoup, il faut bien le savoir. Hein. Euh, le temps qui change les lumières, etc. Des fois, on attend deux, trois heures avant de retourner le, 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 la suite de, de la scène. Et alors, quand elle est toute sur scène et qu'il y avait un public, parce qu'il y avait un public de figurants, mais enfin, c'était quand même un public, et on a commencé à faire des bœufs. Et on a commencé à faire des trucs comme euh, des chansons comme euh, ⁇ I found my trail ⁇ Puis lui, il me suivait toujours. Bam, 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 bam. Puis on a parlé, on a discuté, on a fait le bœuf comme ça pendant 2-3 pendant heures euh, sur scène. On est devenus potes Et puis euh, voilà, c'est venu naturellement après... Euh, voilà. La carrière, si on regarde les disques de Johnny, il y a eu tous ces grands guitaristes, puis il y a eu des paroliers. Il y a eu des garçons, qui, des gens qui sont venus. Ça commence avec Jill et Jeanne. Et puis après, il y a Philippe Labreau, Michel Mallory, Pierre Billon, Long Chris, Michel Berger, Goldman. Tout le monde a écrit. Enfin, il y a mille chansons au répertoire de Johnny Hallyday. Et, et maintenant, milieu Sec. Et maintenant, milieu Sec. <coughs> comment ils font ces gens-là Ils viennent beaucoup chez toi, ils t'écoutent, ils, ils te regardent, parce que non, je, pas Ils collent les mots qu'il faut ils font des ébauches, puis après je leur dis ça va, ça va pas, et puis après on travaille ensemble. Mais euh, souvent, ils me demandent des idées. Alors je leur donne des idées, et puis euh, ils, ils, ils écrivent de leur côté, et je finalise avec eux. Euh, là, par exemple, en ce moment, je travaille avec Minosec sur un, un éventuel euh, album où j'ai envie de refaire un disque de, sur les prisonniers, ah, ouais. sur les tolards. Euh, donc je lui dis, il faut qu'on trouve... Ben, il, faut trouve des, il faut trouver l'histoire Vous savez, une chanson, c'est comme un film. Hein. Il faut un début, un milieu une fin. Donc il faut trouver des histoires. Mais il faut trouver des, des, des sujets pour ça. Donc moi, les tolards, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens qui sont en prison et, et qui ne sont pas, pas toujours de leur faute, qui ont une, une enfance malheureuse. Et, et euh, voilà. Donc moi, quand j'ai chanté à Beauchut, c'était en, en Suisse, j'avais fait un concert pour eux. Et quand je suis sorti avec mes musiciens dans la cour où il y avait les voitures qui nous attendaient pour leur dire au revoir avec des gobelets en métal contre les contre les barreaux, ils nous disaient au revoir en tapant sur les sur les barreaux et moi dans le dans le noir en plus de la nuit. Et moi ça garde un souvenir très. Mais il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça depuis les portes et d'abord celui qui m'a donné envie de faire ça, d'ailleurs, c'est Johnny Cash. Eh oui qui était allé jouer ah ouais, à Saint Quentin. Hein. Mais oui. as beaucoup de chansons depuis les portes du pénitencier jusqu'à oui. Mirador. Euh, euh, oui. Il y en a, il y en a énormément. Il t'a joué à Florimé Rogis oui. au tout début. Oui. C'est des choses formidables. Ben, c'est des vrai. choses, c'est des histoires d'hommes quoi. Enfin, ben, je suis content de faire ça. Je suis content de leur, de leur donner un petit peu de mon temps. Euh... Si on parle des albums, moi il y a un album que j'ai toujours adoré, c'est Rivière ouvre ton lit. C'est un disque incroyable où il y a les Small Faces, il y a Steve Marriott, il y a Peter Frampton, tout le monde joue euh, derrière. C'est là que j'ai rencontré Rolling sur cet album-là. Ah d'accord. Oui. C'est un album prodigieux, euh, oui. le Voyage au pays des vivants, euh, incroyable. Oui. On différent. l'a fait, on l'a fait souvent. Hein. Il y a une on possibilité... essaie de changer les chansons pas, 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 quand on fait des spectacles, pas toujours faire les mêmes, mais on l'a fait souvent, euh, Voyage au pays des vivants. Et puis, il y a, euh, a, a 3-4 ans, j'avais refait euh, Rivière au Vautour Libre. Oh, ça, c'était génial. Ouais. Mais est-ce que Réclamation pourrait un de ces quatre revenir Oui, bien sûr. Oui, je laisse une petite surprise pour la... <laughs> moi. Et moi, j'adorerais. Moi, j'aime bien Réclamation. Oh, C'est ouais. énorme. Appelez-moi ouais. le chef de <laughs> rayon. Pardon. Et oui, euh... euh, oui. Ouais, je... Tu trucs, que je suis pas d'accord. Et, et puis il y a eu des plantades, il y a eu des disques qui ont été euh, comme en pleine vague punk. Qu'est-ce qui t'a pris d'adapter Hamlet alors que tout le monde était en train de faire du Sex Pistols Toi tu dis, non, je vais prendre une section de cuivre et faire un double album en adaptant Shakespeare. Ben, moi je, je suis un fan de je suis un fan de Shakespeare. Euh, je n'ai pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Et moi j'ai toujours été. Un, Traumatisé quelque part, poursuivi par le personnage de Hamlet. Et moi, ce que je voulais faire, c'était faire un disque hors, hors norme, de faire un album de mélangeant le classique avec du rock rock'n'roll, c'est-à-dire des guitares électriques et tout ça, avec un orchestre symphonique. Voilà. Euh, ce qu'on fait de plus en plus d'ailleurs, mais à l'époque, on ne le, le faisait pas, ça. Et, euh, et voilà, et puis donc Gilles Thibault m'avait présenté tous les textes qui me plaisaient. Et puis, euh, voilà, bon, ça n'a pas suivi, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis content de l'avoir fait. Hein. Et les modes Parce qu'à un moment, il faut, quand tu veux durer, euh, tu es obligé de te coltiner. Toutes les modes qui arrivent des États-Unis, d'Angleterre, ça a été ben, À l'époque, je, je devançais plutôt les modes. <laughs> C'est-à-dire que, avant que le twist arrive, je chantais le twist. Je... Euh, un petit peu comme Claude François, d'ailleurs. Claude François, c'était quand même le précurseur de, 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 de la danse music. Hein. Ouais, ouais, euh... Oui, il était sur les 45 tours moto ouais, des, des ouais. Four Tops. Ouais. Hop ouais. C'était direct. Si j'avais euh, ouais, si un marteau, c il l'avait sorti en France avant Trini Lopez. Ouais, ouais. Et puis après, il y a un autre disque important c'est Rock'n'Roll Attitude. On en l'a, Michel Berger. Comment il a, il a, il a, il a imaginé le Johnny moderne, celui qui vit Mais, devant nous là. Michel, euh, Michel est arrivé à faire, à mélanger un certain style de rock'n'roll avec des paroles. Avec des paroles euh, d'un niveau euh, supérieur à ce qu'on avait l'habitude dans la rock'n'roll de faire. Euh, je crois que c'est ça au départ qui a marché. On n'en a pas vendu autant que ça avec Michel. On avait fait, vendu 550 000 albums à l'époque, qui était peu par rapport à ce que j'avais vendu euh, euh, avant et après. Euh, ce n'est pas mon, mon, plus, mon plus gros score. Mais c'est le disque tournant. J'en ai beaucoup plus vendu, par exemple, à, juste après avec Goldman. Ouais, avec L'Envie et, et tout ça, Laura, L'Envie, etc. Mais c'est le disque tournant parce qu'il a défini le Johnny euh, euh, adulte. C'était la première fois que voilà il y avait le chanteur abandonné. On parlait de tes goûts justement. De... Ben il y a toujours Tennessee, qui Tennessee est, pour moi qui est une, une chanson Williams, formidable. On a souvent parlé. Euh, moi j'adore Tennessee et Williams. Et il m'avait demandé qui j'avais. Euh, Je dis j'adorais les pièces de Tennessee Williams parce que tous les films que j'ai aimés moi dans, dans ma jeunesse étaient en général d'après des pièces de Tennessee et Williams. Et l'idée de quelque chose de Tennessee est venue comme ça. Alors, c'est vrai qu'au début, les gens ne savaient pas très bien. Ils croyaient que je parlais du Tennessee, le fleuve. Et je leur expliquais, mais non, je parle de l'auteur. Ça, c'est magnifique, ça. Il y a peut-être des gens qui ont été acheter les livres de Tennessee Williams. Peut-être, ouais, peut ouais. Et après, c'est les stades. Après, c'est vraiment... Euh, après, il y a Gang, et puis c'est la porte, c'est Johnny Hallyday tu se met à tourner dans les stades. Mais après, et, oui, après, je voulais faire des spectacles pour donner un petit peu des rêves aux gens, pour donner un petit peu de la... De l'immensité, un petit peu comme les films moi, que, que je voyais, euh, euh, où je disais, bon, euh, on n'a pas l'habitude de faire ça sur scène, pourquoi pas essayer Et euh, moi, j'essaie toujours de faire des choses pour faire rêver les gens, pour que les gens passent une soirée avec euh, qu'ils en aient plein les mirettes. Ah ben ils en ont eu, hein, parce qu'en te voyant arriver en hélicoptère, en te voyant descendre sur scène au bout d'un filin, en te voyant traverser... Moi, pour traverser... moi, faire le métier de chanteur, ce n'est pas être derrière un micro et de chanter ses chansons. Pour moi, c'est d'animer les chansons, c'est de. Un petit peu comme si on était au cinéma, quoi. Et j'essaie de donner aux gens ce que moi, j'aimerais qu'on me donne si je voyais un autre artiste sur scène. Voilà, j'essaie toujours de faire des choses comme ça. Oui, oh, oui, as fait des trucs risqués, gonflés, traverser le Parc des Princes pour monter sur scène. On a cru que tu reviendrais jamais quand tu voyais les oui. 60 000 personnes qui essayaient de te toucher en même temps. Tu étais là avec tes trois gardes du corps. Ah, le premier aussi. jour, c'était surprenant, oh, mais après, ah. il a fallu le faire le lendemain. C'était moins marrant. Ça. <laughs> non, et puis, tu es arrivé sur scène en Harley avec les côtes cassées. Enfin, tu nous as tout fait. Et c'était toujours cette volonté du spectacle, du show. Oui, mais le spectacle, c'est important. C'est euh, bah, ta vie, non je j'aime bien surprendre et puis j'aime bien faire des choses que les autres n'ont pas fait alors c'est pas toujours facile de trouver les choses que, que personne n'a fait mais, euh, mais on y arrive mais c'est pas c'est moins en vrai facile hein, parce qu'on a, on a fait beaucoup de choses quand même Comment on choisit quand on a un répertoire de 1000 chansons euh... que tu... je choisis pas un peu je teste des fois des nouvelles des, des chansons et puis je vois un petit peu ce que les gens euh, d'après leur réaction ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins alors, je, je refais après un tour d'horizon par rapport à ceux qu ont, qu aiment, qui ont été le plus applaudis ou ce qu'ils aiment le mieux. Euh, en général, c'est comme ça que je fonctionne. Là, samedi soir, tu vas faire un concert spécial, euh, ce qui va se passer au théâtre bah, de ce Paris Ce que je fais à Bercy, c'est rien à voir avec ce que je vais faire au théâtre de Paris. Tu peux nous en donner théâtre, quelques idées Au théâtre des... de Paris, je vais refaire des trucs comme, euh, je ne sais pas moi, je ne peux pas trop dire, mais euh, je suis un rock'n'roll que je n'ai pas fait depuis longtemps. Euh, Dead or Alive de. De Lonnie Donegan, oh. mais version rock, hein, pas, pas version skiffle. Euh, Bibop à Lula avec, avec Brian Selzer. Oh. Tu pour des blues, shoes, des, des trucs comme ça, quoi. Des trucs que, Des qui, vrais trucs rock des trucs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quoi. Voilà. Ce soir, ça va être ça. Et. Mais alors, sur TF1 en 2009, quand tu es venu dire ⁇ J'arrête, euh, c'est ma dernière tournée, euh, c'est le tour 66, ça sera le dernier Qu -ce ⁇ qu'est-ce qui s'est passé tu as changé d'avis depuis euh... ?⁇ Attends, j'ai eu mon accident, et puis donc j'ai arrêté forcé. Hein. Et puis ensuite, euh, en pitch, j'ai commencé à paniquer en me disant mais... ⁇ on est en rond j'ai dit mais qu'est ce que je fais là c'est pas possible j'ai besoin j'ai besoin d'aller j'ai besoin de faire le métier que je fais j'ai besoin d'aller sur scène ou alors je m'ennuie à mourir mais rien ne vaut le contact avec le public est ce que tu as retrouvé ça quand tu as fait du théâtre sur scène au théâtre est ce qu'il y a contact oui mais différemment euh, parce qu'il y a une pièce parce qu'il y a une histoire parce qu'il y, y a un texte à, 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 un dialogue à respecter euh, mais c'est vrai que de jouer devant une caméra en tant qu'acteur euh, et puis de jouer devant un public, même la même chose. Hein. Euh, il y a quand même le, il y a quand même le contact avec le public et les réactions qu'on entend quand même sur scène du public qui sont pas les mêmes que quand il y a une caméra avec, euh, voilà, juste avec le caméraman derrière. C'est sûr. C'est vrai. C'est, je comprends, je comprends qu'il y a beaucoup d'acteurs de théâtre qui préfèrent faire du théâtre que du cinéma. Alors là, moi, je suis obligé un peu de tirer le bilan. 50 ans de carrière, 182 tournées. 1000... plus 50 ans de carrière. Hein. J'ai commencé à 16 ans et j'en ai 70. Commencé... Ouais, ouais, ouais. Donc, moi j'avais calculé 59 ah, ans. De... 50... Si on calcul que tu as commencé à 11 ans à chanter mmh. cette chanson de David Crockett, est-ce que tu t'en souviens Oui, David, David Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. <laughs> Donc là, tu as 11 ans. Qu'est-ce qu qui te traversait l'esprit quand tu jouais t étais pétrifié de trac ou... Je ne connaissais, connaissais pas le rock and roll encore à cette époque-là. Et puis moi, je, je chantais une ou deux chansons dans, dans le numéro de danse de Desta Lee Hallyday euh, pendant qu'il changeait de vêtements. Euh, mais j'étais pétrifié de peur. Ouais. Alors là, on est là. 59 ans de carrière, 182 tournées, 1000 chansons enregistrées, 48 albums studio, 100 millions de disques vendus. Et il paraît que tu vas attaquer l'Amérique Non, je ne veux pas attaquer l'Amérique, je vais faire un album en anglais, je fais une tournée aux États-Unis, ça ne veut pas dire attaquer. Mais euh, C'est une super bonne idée. Et donc on va faire des villes mythiques pour moi, des villes comme Austin, Texas, Nashville, Tennessee, Miami, enfin bon, toute une, toute une série de concerts aux États-Unis. Pour ça, je vais faire un album en anglais avant, et puis, puis ensuite je vais partir en Asie partir en Asie pour faire euh, des concerts pour euh, l'école euh, que Laetitia, euh, mon épouse, monte pour les enfants malades des SIDA, mm -hmm. qui ne peuvent pas aller dans les écoles normales. Donc nous, on crée des écoles, je paye des écoles, pour construire des écoles, pour que ces enfants puissent aller à l'école. Ça. Euh, ça, ça me touche de, de, de près, d'abord parce que mes, mes, mes filles viennent du Vietnam. Et que pour moi, c'est quelque chose que je leur dois. Est-ce que les Chinois auront le droit à Johnny Hallyday un jour Oui, on doit chanter en Chine aussi. Oui. Oh oui, oui. Mais donc, c'est un programme formidable. Donc, qu'est-ce que Johnny a appris toutes ces années au service du rock'n'roll Ça sera ma question finale. Écoute, je suis, même, je suis un bon militaire. Je suis au service du rock'n'roll. J'obéis au rock'n'roll. Et le rock'n'roll qui a fait de Johnny Hallyday ce qu'il est. Et donc pas besoin de lutter pour garder en toi une rock'n'roll attitude. Non, je lutte pas, je, je laisse aller les choses. Et dans une autre chanson, tu dis je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. C'est faux, je recommencerai toujours. <laughs> Merci Faut Johnny. Faut pas croire ce que je dis. <laughs> Merci Johnny. Merci. Merci Rocker.